www.casarima.fr. Regarde comment les anges marchent au milieu de nous. J'en ai vu là-bas. D'autres se tiennent là. Les anges sont là en grand nombre. Oh mon Dieu, ils ne descendent jamais comme ça en vain. Ils ne descendent jamais comme ça en vain. Certainement, ils emmènent quelque chose pour quelqu'un. Seigneur, je crois que c'est pour moi. Je crois que c'est pour moi. Ils ne descendent jamais comme ça en vain. J'en ai vu en train de mettre une colonne par la bande diagonale. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarima.fr. Ce soir, il l'a dit d'une manière claire à mon oreille. Je sélectionnerai ce soir mes serviteurs et mes servantes. Tu me dis, oh my God, my God, my God, oh my God, my God, my God. Il a dit, il a parlé de serviteurs et de servantes dans une sélection différente, dans une. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et là, j'avais vu une succession de frères qui étaient appelés au ministère, qui recevaient dans leurs mains une forte onction qui descendait sur eux. Et l'Éternel me disait, je répandrai sur eux le pouvoir surnaturel de guérir, d'agir sous l'eau. Oh my God, my God, my God! Il a dit que je répandrai mon esprit sur la plupart de mes serviteurs ce soir. Il m'a dit, je l'ai entendu clairement comme je vous entends ce soir. Il me l'a dit comme je vous entends ce soir. Il a dit, je veux suivre. Il te sélectionne déjà là où tu es et comme tu es. Il te sélectionne déjà. Il me l'a dit, je l'ai entendu. Je l'ai entendu, je l'ai entendu. Oh, mais je t'assure. Oh my God. Je l'ai entendu, je l'ai entendu comme je t'entends. Je l'ai entendu comme je t'entends. Il a dit, je sélectionnerai une nuée de serviteurs et de servantes. Une nuée de serviteurs et de servantes. Et il a dit, je mettrai dans leurs mains le pouvoir d'agir, le pouvoir de guérir, le pouvoir de manifester ma puissance. Oh, je l'ai entendu, je l'ai entendu. Et jusqu'à présent, je sens ce que mes mains sentent. Je sens ces choses sur toi. Je sens ces choses sur toi. Oh my God, my God. My God, my God. Il parlait de libérer son onction. My God. Il parlait de libérer son onction sur ses serviteurs et ses servantes. Et il disait, je répands mon esprit et je mettrai dans leurs mains le pouvoir surnaturel. Oh my God, my God, my God, my God, my God, my God, oh my God, my God, oh pour ma son, my God, hey, my God, my God, oh my. Et il a dit, je vais le poser sur leurs mains. Il a dit, je vais le poser sur leurs mains. My God, il a dit, je vais les poser sur leurs mains. Je l'ai entendu comme je t'entends. Je l'ai entendu comme je t'entends. Je l'ai entendu comme je t'entends. Oh my God, my God. Il a dit, je fais de leurs yeux des flammes de feu, car j'éclaire la vie de tous les hommes. Lorsqu'ils les regarderont, ils verront clairement la vie des hommes, car je leur révélerai le cœur des hommes. Je susciterai en eux les pensées les plus profondes, et ils sortiront des cœurs
tout ce qui était caché. Ainsi a parlé le Seigneur. Oh my God. Recevez l'onction prophétique et recevez l'onction de guérison. Recevez l'onction de... Oh my God. Je l'ai entendu. Je ferai de leurs yeux une flamme de feu qui éclairera la vie de mon peuple. Lorsqu'ils regarderont mon peuple, ils verront clairement et distinctement des... Oh my God. Des choses dans leur vie. Et il dit, ils verront distinctement et clairement les choses dans leur vie. Ainsi a parlé le Seigneur. Et je me tenais là. Lorsque soudain j'ai vu un ange du Seigneur, beaucoup plus élancé, qui se tenait juste à ce niveau ici. Il était debout, oignant ses servants. Il était là. Je l'ai tellement ressenti qu'il m'a hypnotisé. C'était un ange du Dieu très haut. C'était un ange du Dieu très haut, my God. J'en ressens encore les frémissements, car sa présence était surnaturelle. Elle remplissait mon corps de la gloire de Dieu. Il se tenait là. Soudain, je fus électrocuté par sa puissance. Je fus électrocuté par son onction. Il se tenait là, juste là, juste là. Il se tenait là, juste là. Juste là, je l'ai vu de mes yeux, mon esprit l'a ressenti. Et j'ai su que j'étais devant un ange du Dieu très haut. Mais il était trop puissant cet ange. Cet ange est trop puissant. Bien-aimé, je vous annonce une vérité. Dieu me l'a dit et je vous le dis. J'ai augmenté le pouvoir de mon église. Ainsi j'ai répondu des anges plus puissants à leur côté afin de les conduire dans la gloire que j'ai destinée à l'assemblée. Parole du Seigneur, révélation du Très-Haut, ces choses ont lieu à partir de ce soir. My God, richly God and powerful God. Oh my God. Robazande Amakazata. C'est une nouvelle dispensation, paraîtrait-il. My God. Je l'ai entendu. Je ne pouvais pas faire semblant. Je l'ai entendu. Je ne peux pas faire semblant. Je l'ai entendu d'une manière distincte, d'une manière claire dans mon esprit. Parole de l'Éternel, révélation du Très-Haut, oracle de l'Éternel, message du Tout-Puissant. Ainsi j'ai parlé, ainsi j'ai scellé. J'élève mon église dans une dimension plus excellente. Ainsi j'ai suscité des anges forts, puissants à leur côté, pour les conduire dans cette gloire. J'ai vu de mes yeux 1000 personnes arriver en train de courir. L'Éternel est en train de répandre sous son assemblée une dimension excellente. Et un nuage comme une nuée était sur chacun de nous. En entrant, je l'ai dit, il y a quelque chose qui va se passer ce soir. J'ai vu qu'ils étaient là, j'ai vu que la gloire était tellement grande, juste à l'entrée, j'ai vu que l'église passe à autre chose. My God. Seigneur, merci, je suis en train de dire à ton peuple ce que tu m'as dit distinctement. Je ne leur cache pas, je le leur dis clairement. Je ne le cache pas. Je le leur ai dit clairement. Parole de l'Éternel, oracle du Tout-Puissant. L'Éternel me parle et il me dit clairement qu'il y a ici des hommes et des femmes qui ont placé leur dossier dans un endroit important. C'est un endroit tellement important qu'ils ont su que selon le salaire qui a été lié à cette demande, leur vie changera. Et soudain, les choses ont commencé à se compliquer.
Mais oracle de l'Éternel, le Dieu très haut, le Dieu de l'Alliance, il me dit de te dire avec clarté et distinction, je sors ton dossier du néant et je s'installe là où tu ne t'imaginais pas. Car à partir de la journée de demain, tu seras déjà convoqué à être installé dans le... Oh my God, my God, my God, my God. Oracle de l'Éternel, parole du Tout-Puissant. Ainsi a parlé le Seigneur. Qui s'y opposera? De manière claire et limpide, j'ai vu un homme venir devant moi. Il tenait la moquette bleue que nous avions mise ici. Et il avait apporté ça dans l'église. Je lui ai dit, que fais-tu avec cette moquette? Il me dit, appelez-moi pour la mettre sur votre estrade. L'Éternel m'en donne la révélation clairement. Il dit, il élèvera la majorité des hommes de Dieu qui passeront même sur cette estrade, connaîtront un impact dans leur ministère. Car il a fait de la compassion la mission d'élever non pas seulement ce peuple, mais l'autre peuple de Dieu qui se trouve dans les assemblées, au travers des hommes de Dieu qui passeront ici. Ils les shifteront, ils les élèveront. Parole de l'Éternel, oracle du Tout-Puissant. Est-ce l'Éternel qui nous parle? Est-ce l'Éternel qui nous parle? Croyons-nous en ces choses? Oracle de l'Éternel, qui s'élèvera pour s'y opposer? Personne. Qui s'élèvera pour s'y opposer? Personne. Oracle de l'Éternel. Rendons grâce à Dieu pour ses paroles clairement dites. Acclame et rends grâce à ton Dieu. Oracle de l'Éternel, parole du Tout-Puissant. Ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Il me dit clairement, je ne mens jamais. Je ne mentirai pas à mon peuple. Oracle de l'Éternel. Alléluia. Le bosse de la bosse, 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 le bosse de la b
Regarde comment les anges marchent au milieu de nous. J'en ai vu là-bas. D'autres se tiennent là. Les anges sont là en grand nombre. Oh mon Dieu, ils ne descendent jamais comme ça en vain. Ils ne descendent jamais comme ça en vain. Certainement, ils emmènent quelque chose pour quelqu'un. Seigneur, je crois que c'est pour moi. Je crois que c'est pour moi. Ils ne descendent jamais comme ça en vain. J'en ai vu en train de mettre une colonne par la bande diagonale. Et d'autres étaient l'un à un placés de l'autre côté. Ils sont si nombreux que c'est certainement quelque chose qu'ils sont en train de déposer dans la vie de chacun. Tu sauras qu'il y a un ange juste à tes côtés. Tu sens toi-même une présence glorieuse juste à tes côtés. Oh mon Dieu, merci parce que je ne savais pas que tu me visiterais ce soir. Mais aujourd'hui, je suis que tu m'aimes. Béni soit ton nom, Seigneur. Zakarobo Shanda Yabasan. Inde Kabazanda Remashakabos. Zanderebosan. Adorer ton saint nom et ta fidélité, je veux n'être qu'à toi. Zakabo Shanda Raba. Je veux n'être qu'à toi. Zakabo Shanda Rebosan. Sakabosha. Oh Zanda Bashande. Oh Zandaribosha Kabas. Mon Dieu, c'est trop clair. C'est trop clair. C'est trop clair. C'est trop clair. Oracle du Tout-Puissant. C'est clair. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je ne saurais gérer ces choses sur mon corps. Tu les as répandues sur le peuple afin que nous en bénéficions tous. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, c'est tellement clair. C'est tellement clair. Le temps est arrivé. Merci pour cette déclaration. Merci pour cette déclaration. Glorieux, un manteau est en train de marcher seul. Je sais qui porte ce manteau, c'est le Messie. Jésus est là, il est là. J'ai vu son manteau, il est là. Célèbre sa présence, s'il te plaît. Jésus est là. Un manteau glorieux pénétrait au milieu de nous. Jésus est là, my God. My God, my God. My God. Un manteau glorieux pénétrait au milieu de nous.
Acclame. Oh. 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 Il y a une manifestation surnaturelle qui est sur le point de s'opérer. De nouvelles langues vont sortir de plusieurs. Tu es déjà baptisé du Saint-Esprit, mais de nouvelles langues. Souviens-toi que c'est écrit avec S. Le Seigneur, oh my God, ça tombe. Ça commence à tomber sur nous. De nouvelles langues, symbole d'une nouvelle dimension. My God. Zandare Kaos Kabo Shekaya Barata Kate Toke Abo Zande Andolo Bremasak Kabazen. De nouvelles langues. C'est une nouvelle dimension. C'est une nouvelle dimension. De nouvelles langues. C'est une nouvelle dimension. C'est le partage des nouveaux temps. C'est pourquoi tu as senti que ça changeait. Reçois ça simplement. Reçois cela simplement. Reçois cela simplement. Reçois cela simplement. Reçois cela simplement. C'est une nouvelle dimension, de nouvelles langues. De nouvelles langues. C'est une nouvelle dimension avec de nouvelles langues. Mon Dieu, de nouvelles langues. Kabosha, de nouvelles langues. Mon Dieu, c'est une nouvelle dimension ça. Ces nouvelles langues-là, c'est pour toi, c'est une nouvelle dimension dans ta vie. Ça ne s'arrête plus, hein. Ça ne s'arrête plus. Ça continue. Ça augmente. Et tu ne le retiens plus. C'est une nouvelle langue, c'est une nouvelle dimension. C'est une nouvelle langue, c'est une nouvelle dimension. Kabosha. Le manda kate a tokose. Le prosa kate a majande. Rando e kabo sentaka. Antoke ke mozabre mante. Iso takamande a tori mazande. Ripos a teke ba sheposa. Kobose antakabe. Atere mazanta kabaje kobozante. Le bromante kamazeta ke kabosha. Kamese tene makanto ke le bromaze atea. Oh my God. My God. Ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas. C'est une nouvelle dimension. C'est une nouvelle dimension. C'est une nouvelle dimension. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, c'est une nouvelle dimension. Prenez-les, prenez-les. Vivez-le, vivez-le. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh Saint-Esprit, merci pour cette nouvelle dimension. Merci pour cette nouvelle dimension. Frère, sœur, c'est une nouvelle dimension. Frère, sœur, c'est une nouvelle dimension qui t'est accordée. C'est une nouvelle dimension. Oh my God.
Oh my God. My God. Oh, Shamarabaza. My God. J'entends clairement sa voix parler à mon esprit. Oh my God, Dave, my God, my God, oh my God. Dieu me dit clairement de te dire que les signes qui t'accompagneront ne t'accompagneront pas que sur un estrade. Il me dit clairement de te dire, je ferai de ta vie une campagne d'évangélisation dans ton quotidien. Et je voyais dans mon esprit clairement comment des gens venaient te voir là où tu étais, ils se mettaient à genoux. Et quand tu leur imposais les mains, des miracles se produisaient. Et Dieu m'a dit de te dire, fais-le simplement. Simplement. Wow. Wow. Dave, il n'est pas seul dans ce cas-là. My God, il n'est pas seul dans ce cas. Le Seigneur en cite plusieurs. Il n'est pas seul dans ce cas. Plusieurs. Oh. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Il n'est pas seul dans ce cas-là. Vous entendrez parler de ça bientôt. Beaucoup de frères et de sœurs de cette église vont vivre des miracles et des prodiges, même en dehors du culte. C'est un vent de l'esprit qui a soufflé en exaucement à la prière de son serviteur Marcelo, dit le Seigneur. Dit le Seigneur. Oh my God. Oh my God, reçois cette dimension. My God, cette dame en rouge blanc est en train d'être remplie du Saint-Esprit en rouge blanc. Derrière là-bas, rayure, en rayure, rouge blanc au fond. Attention, sur elle, la puissance de Dieu est en train de la remplir. Oui, exactement, exactement. Oh my God. Oh, 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 attention, my God. Oh, oh, my God, my God, my God. C'est encore plus fort que ça. Oh, mon Dieu, fantastique. Le Seigneur l'a rempli. Oui, là où elle est seulement, là, assise, là, Dieu est en... Oh, mon Dieu, voilà. Oh, my God, wonderful God. My God, my God. Il y a quelque chose qui se produit en nous ce soir. Clairement, distinctement. Maman. Maman. Dieu t'a donné des yeux semblables à des flammes de feu. Maman Blanche, tu sais, Dieu t'a donné des yeux semblables à des flammes de feu. Les gens n'arrivent plus à te fixer dans les yeux. Et la vie de tes gens est clairement étalée devant tes yeux. Mon Dieu, j'ai vu une suite d'hommes et de femmes en colonne en train d'attendre d'entrer en consultation prophétique. Et ils venaient, et lorsque certains demandaient une chose, tu leur révélais leur véritable source de leurs problèmes. Parole du Seigneur, j'ai fait de ses yeux des flammes de feu, afin qu'elle éclaire et qu'elle voie la vie de mon peuple. Parole de l'Éternel. My God. Il est merveilleux.
Il est merveilleux. Hosanna à l'agneau sur le trône. Ensemble. Nous ne pouvons pas lui dire non. Mais il dit, je t'ai choisi, quelle que soit la dame en rouge noir. Dieu me dit de vous dire, tu ne peux résister à mon appel. Je t'ai choisi et je ferai des choses avec toi. Le Seigneur me le dit clairement. Je t'ai choisi et je ferai des choses avec toi. Des projets sont multiples, mais le projet de ma vocation en toi s'exécutera. Parole de l'Éternel. Que tous ceux qui résistent à leur appel, que l'Éternel vous donne la force de vivre son appel. Mon Dieu. Alléluia. Pouvons-nous chanter ce refrain ensemble? L'Éternel est en train de sélectionner des gens. Il y a des gens qui ont refusé l'appel. La puissance de Dieu est en train de les tirer pour les faire entrer dans l'appel pendant qu'on est en train de chanter ce cantique. Hosanna. Alléluia. Entre dans ton appel. Entre dans ton appel. Ta famille attend que tu montes avec Dieu. Entre dans ton appel. Entre dans ton appel. Ta famille attend que tu montes avec Dieu. Entre dans ton appel. Hosanna. Hosanna. Entre dans ton appel. Entre dans ton appel. Entre dans ton appel. My God. Entre dans ton appel. 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 Tes enfants en ont besoin. Entre dans ton appel. Ta santé en a besoin. Écoute, je veux partager avec toi un témoignage qui va te fortifier à faire ce que Dieu te demande de faire. Peut-être ce témoignage vous avait été communiqué sans citer le nom, mais je vous le partagerai en vous donnant les détails. Maman Blanche se souviendra que quand nous sommes revenus avec maman Marianne, elle était en hyperglycémie. Elle atteignait 500, 600 de taux de sucre sans qu'on ne comprenne pourquoi. Maman Marianne, mon épouse, était devenue très faible. Maman Blanche a prié pour nous. Maman, pasteur Marcelo connaît ce sujet. Ça nous avait beaucoup fait mal. Et nous avons prier Dieu, parce qu'on savait que avoir un taux de sucre au-delà de 600, c'est la mort. Maman Marianne avait organisé une conférence, son corps était affaibli, mais elle a dit, je vais faire ce que Dieu m'a dit de faire. Et dans cette conférence, elle a prêché. Quand elle a fini de prêcher, elle est tombée dans le bureau. Le deuxième jour encore, elle a prêché, elle a exhorté et elle a introduit l'orateur. Et quand l'orateur a fini de prêcher, pendant qu'elle rentrait au bureau, elle est tombée. Elle est tombée, elle a commencé à suffoquer. La respiration a commencé à partir. J'ai dit à Dieu, tu m'as dit que ce qu'elle vit là, c'est l'onction. Mais qu'est-ce que je vois là?
soudain après la prière faite au nom de Jésus, je l'ai relevé, mais elle ne bougeait pas. Et j'ai vu soudain une autre maman Marianne par terre. Alors j'ai dit, tiens, je vois Marianne par terre. La dame qui était là au protocole a regardé, elle n'a rien vu. J'ai dit, j'ai vu ma femme par terre. Et Dieu me dit, celle qui devait mourir est morte. Mais celle-ci est ressuscitée. Nous sommes allés dormir. Maman Marianne a senti du feu dans son corps. Je ne prêcherai pas, les amis, parce que le Seigneur m'a dit de vous dire ce que je vous dis. Et c'est son église. On fait ce qu'il nous dit. Lorsqu'elle est entrée dans la chambre, en dormant, elle a senti du feu circuler dans tout son corps. Et moi, j'ai dormi. Je lui ai dit, Dieu m'a dit, c'est l'onction. Soudain, le matin, elle s'est dit, c'est trop. Peut-être je fais une crise sans le savoir. Maman Marianne a fait le test de glycémie. Nous étions obligés d'avoir l'appareil de glycémie parce que les taux étaient exagérés. Quand maman Marianne fait le test de glycémie à 6 heures du matin, le taux de sucre qui était à 500, 600 est tombé à 100 en un jour. Nous l'avons constaté. Le dimanche, elle est arrivée au culte. Elle qui ne dansait pas, a dansé. Lundi matin, elle avait rendez-vous à l'hôpital. Je lui ai dit, aujourd'hui, les médecins vont confirmer le miracle. Les médecins ont fait le test de la glycémie. La dame a dit, mon appareil est tombé en panne. La dame a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Mon appareil est tombé en panne. Car elle voyait de ses yeux le taux de glycémie complètement redevenu à la normale. Parce que maman Marianne a accepté de faire ce que Dieu lui avait demandé de faire. Il y a la guérison dans le service de Dieu. Il y a l'élévation dans servir Dieu. Il y a la fécondité dans servir Dieu. Il y a la gloire dans servir Dieu. Il y a la bénédiction d'en servir Dieu. Ce que Dieu t'a demandé de faire, fais-le. Pour ce merveilleux miracle que mes yeux ont vu, je ne peux que croire que servir Dieu est la plus grande chose qui peut être donnée à un homme. Que les serviteurs du Dieu Très-Haut fassent alliance avec Dieu ce soir. En levant la main droite vers le ciel, en disant à Dieu des paroles, je te servirai, mon esprit, mon âme, mon corps te servira. Père, je te servirai avec mon esprit, mon âme et mon corps. Je te servirai avec mon esprit. Et si dans mon esprit, il y a des liens, il y a des malédictions, tout cela tombera. Je te servirai avec mon âme. Si dans mon âme, il y a des mauvaises pensées, il y a des mauvaises habitudes, elles tomberont. Je te servirai avec mon corps. Si dans mon corps, il y a une hémorragie, il y a l'appendicite, il y a le sida, il y a la maladie, il y a l'hypertension, il y a l'hyperglycémie, il y a les maladies de tout genre. Ça tombera, ça tombera, ça tombera, ça tombera, ça tombera. On entend, on entend, on entend, on entend. On entend, on entend, on entend, on entend, on entend, que les serviteurs du Très-Haut acclament. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu,
Acclame le Seigneur ton Dieu. Acclame le Seigneur ton Dieu. Non, 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 non. Alléluia, alléluia. Non, 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 non. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Oh, alléluia. My God, my God, my God. Il n'y a aucune situation désespérée. C'est l'homme qui désespère. Mais il n'y a aucune situation désespérée. Seul l'homme désespère. Je veux finir cette soirée en disant ceci. Je n'ai jamais cessé de témoigner aux hommes que si je marche, c'est par un miracle. Je veux que tu saches qu'en tant que serviteur de Dieu, tu as signé un contrat dont tu ne connais pas les clauses. Dans ce contrat, il y a une assurance qui dépasse ton intelligence. Je ne saurais te le dire, mais il y a une assurance qui dépasse ta compréhension. Je te le dis, il m'a dit clairement ce matin, je tiendrai à mon alliance. Il l'a dit, si Dieu t'a parlé, je ne sais pas ce que Dieu t'a dit à trouver en toi. Tu peux en être sûr. Ce contrat a des clauses de victoire. Ce contrat a des clauses de victoire. Je crois en Jésus. Je crois en miracle. Je crois en la guérison. Je crois en l'élévation. Je le crois de tout mon être. Je crois que les problèmes sont faits pour les solutions. Je crois en cela. Je crois que le chaos est là pour élever les hommes. Je crois que la bassesse existe pour l'élévation. Je crois en cela. Que Dieu te bénisse. 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 Au nom de Jésus. Acclame.